Salut tout le monde, c'est Hartman et on se retrouve pour une nouvelle partie de Lifeless Planet. D'accord, il y a du brouillard là. Heureusement, je me suis arrêté dans la vidéo précédente pour regarder le portail parce que là. Il est juste là. Ça sert à rien ça, c'est nul. Pas mal. Hop. Oh, trouver une manière de rétablir l'alimentation. À tout hasard, je vais suivre le fil électrique. Hein. S'il y a autre chose à faire, non. Je vais éviter d'aller n'importe où dans le brouillard. Ok. C'est écrit en russe. Ah, il y a un bug sur le bras. Est-ce qu'il va vers la gauche lorsque je lui demande de revenir vers moi? Enfin, il revient vers moi, mais il va vers la gauche aussi. L'alimentation est nouveau fonctionnel. Je vais pouvoir retourner à la porte. J'ai pas regardé s'il y avait une autre entrée, mais je suppose que non. Ah oui, il y a même pas de petite porte de service, non? Quand on ouvre la porte, on ouvre la porte. Ah, il y a un truc pour se balancer là-haut. Comme dans Tomb Raider. Von Tam, Sloman. Yeah, I can see it's broken. Oh, great. There go my hopes for getting off the planet. Ah, il est là-haut. Alors, coincé. J'ai découvert que le portail que les Russes ont utilisé pour se rendre sur cette planète depuis la Terre, mais il est à présent en usage. Non. Je ne pourrais donc pas utiliser ce portail pour venir sur Terre. Mon niveau d'oxygène est également très bas, mais je pense qu'il y a un autre module d'approvisionnement quelques kilomètres plus au nord. La femme me guide dans cette direction, donc avec un peu de chance, je pourrais m'y rendre et me recharger en oxygène. Mais quoi ensuite? Chaque chose en son temps, j'imagine. J'ai vu ça. Un magnéto. В течение многих лет развитие нашей колонии на этой планете зависело от системы порталов. Нам никогда не хотелось, чтобы когда-нибудь они перестанут работать. Когда местная растительность вымерла и жизнь ушла отсюда, надежда, что мы когда-нибудь возвратимся в Россию, к нашим семьям, также погасла. Конечно, это произошло не в одночасье. С течением времени портал стал постепенно блекнуть. Чем больше мы приспосабливали этот мир для нашего удобства, тем более опустошенной становилась окружающая нас среда. В конце концов, портал начал имитировать окружающий мир и стал сопротивляться. Сначала это были просто небольшие аварии в процессе транспортировки снабжения. Ils sont, ils partir, ils sont coincés. Ведь мы имели дело с лишь недавно обнаруженной технологией, поэтому в то время это было единственным разумным объяснением. Ça fait quand même beaucoup de sens. C'est pas où deux mecs qui sont morts. Мы это поняли, когда та же участь постигла группу колонистов.
toujours les sauts. C'est pas possible. C'est les sauts les plus. Non. Oui, parce que quand je. Il fait une manœuvre et. Bon, c'est un mouvement réaliste, mais en même temps, je tombe tout le temps à côté du coup. Ouais. Et je fais quoi? J'utilise. T'avais un bulldozer quelque part? Non. Mais j'ai fait quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Hop, j'en emporte un souvenir. Hop. Allez, parti! Hey, je suis là. Ouh. Y'a quelqu'un? Super la transition. D'accord. On va le portail était quelque part derrière et. Falaise. Сейчас, беги. Осторожно. Ok. Vers la droite. Bon, j'étais content de l'avoir retrouvé. Quand même, dans ce jeu, il y a des transitions un peu bizarres. Направо. Non. D'accord, par là. Hey, du vent. Voilà. Давай, давай. Merde quoi, давай, давай. Стой, подожди. Сейчас. D'accord, сейчас, c'est-à-dire que je peux avancer. Quand c'est voilà, voilà, vas-y, faut pas avancer. Стой, подожди! Сейчас! J'aime pas quand il y a des petites branches par terre. Стой, подожди! Сейчас! Ou alors, à chaque fois qu'elle fait suggest, c'est. Ça veut dire mince, loupé. Parce qu'elle essaie de me tuer depuis tout à l'heure en fait. Mais elle galope vite en plus! Je viens de la voir passer en haut là. Astalos, ça doit vouloir dire manque-toi le cul, connard. Направо. Her left, my right. I see how this works. Давай, давай, налево, давай, давай. Je peux toujours pas la rejoindre. Côté. Une petite plante carnivore. J'aime bien le bruit qu'elle fait. Je sais pas limiter par contre. Bon. Et elle veut pas venir avec moi. Stoi. Quoi stoi? Je fasse demi-tour.
ce mouvement là. Hop. Attention. Oh, oh, ça c'est bizarre. Hop, un petit peu d'escalade. C'est une forme, c'est une ancienne forme de vie, ça. Voilà. Ah. Voilà. Ah donc elle a... Ça y est, à nouveau devant moi. J'ai avancé plutôt vite là aujourd'hui. J'ai même pas vu qu'il y avait ce truc là en face. Alors. Ah, il y a un portail. Enfin, un portail. Une espèce de porte là où il faut appuyer sur le bouton avec, avec le bras robotique. Oh ! Ah, ça marche pas. Ça, c'est bien. C'est même très bien, ça. C'est... Bon alors faut que j'aille où avec ça? Pas que j'aille là. Ça sert à rien. Hop. Ah bah c'est ça qu'il faut faire. Hop. Je ramasse... Non. Ah. Hop. Non. Ah, il y avait un truc à lire en bas, j'en ai pas vu. Bon, ça va, même si j'avais loupé le truc vert à ramasser, je l'aurais vu en prenant l'ascenseur. Alors, je peux pas le mettre directement, faut que j'utilise le fichu bras robotique. Dommage qu'il n'y ait pas plus d'applications avec.
chose, je sais pas quoi. Je lis ce truc là. Alors, rapport du directeur, 19 octobre 1978. Le feu vert se meurt. Nanana. Tata. Ah, il pense qu'il y a. Que les plantes mourraient à cause du portail. Même les espèces les plus imposantes de la planète sont bien plus agressives depuis nos interventions. Je crains que nous ayons franchi les limites de l'acceptable avec nos expériences. Les plantes ont-elles toujours été vindicatives ou s'en prennent-elles simplement à nous pour nos échecs? Il ne s'agit pas de théorie rationnelle, mais la science ne nous a toujours pas apporté de réponse. J'espère seulement qu'il n'est pas trop tard. Elle pourrait peut-être nous sauver tous. Ça, j'aimerais bien savoir comment ce truc là, ça fait combien de temps qu'il fuit. Parce que je sais pas depuis combien de temps les mecs sont morts, mais quand je vois qu'il y a des magnétocassettes un peu partout, ça va faire quand même quelques temps. Ils vont pas me faire croire que ce truc il fuit depuis pratiquement 40 ans quoi. Ouais, j'ai pris une pierre verte. Au cas où. Hop. Loupé. Ah bah alors. J'ai glitché. Au final, j'ai pris une pierre, mais ça servait à rien. Alors, attention, le casse-tête. Je vais changer la vue. Appuyer sur tous les trucs qui font, enfin qui sont cool. Hop. Alors, de toute façon, ça s'entend qu'on fait une erreur. Elle m'attendra jamais, elle. Hein. Source chaude. D'accord. Ouais, c'est sympa. Ah, je crois qu'il y avait un truc au loin maintenant, c'est une tache sur mon écran. Ouais, j'ai pas mal. Bien l'ambiance. Ah, ça j'aime pas. Ouais, je vais prendre une douche. Ah, je viens de pénétrer dans une section marquée par une activité géothermique d'une intensité inhabituelle.
et des sources chaudes un peu partout. Et des geysers qui jaillissent dans le tabarma. Oh! Attention, les humains. Quand on sort un peu de la zone d'exploration, parce que le décor il est beaucoup moins intéressant. Je vais essayer de pas me faire planter. Hop. Je vais pas voir si je peux nager. En général, quand c'est bleu comme ça, il me semble que c'est à cause d'une présence d'acide. Non, c'est pas de l'acide. Juste là quand même. Non. Non, finalement c'est bon. Pas de la neige. C'est tiré par les cheveux. Décidément, elle veut plus m'attendre du tout maintenant. Elle était toute gentille et là maintenant, pouf, et speed. Waouh. Et voilà, encore une transition. Et on arrive au Mordor. L'enfer. Euh...
vidéo là elle va être un peu plus courte que les autres. Ouais bah non, je vais m'arrêter là. Parce que là je sais. Ça va peut-être prendre du temps, toutes ces bêtises. Je vous dis salut tout le monde, à bientôt.